Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Drive Any Track. Donc on va pas quitter, on va tester ce jeu qui part sur le même principe qu'Audio Surf. C'est simple, on a une musique et on va la transformer en piste de jeu, en l'occurrence une piste pour piloter avec des voitures telles que vous le voyez. Et là c'est la différence par rapport à Audio Surf 2, il y a vraiment une certaine richesse de véhicules, il y a beaucoup plus un état d'esprit de course d'arcade. Il y a aussi d'autres différences par rapport à Audio Surf 2 et Audio Surf 1 d'ailleurs, c'est ce qu'on va remarquer. C'est un peu le point de comparaison d'ailleurs Audio Surf dans ce type de jeu. Donc on peut constater que c'est un jeu qui est sorti en un accès anticipé. Il est déjà pas mal joué parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc on va pas trop perdre de temps, hein. Ça classe les pistes dans différents styles et puis ici on a les parades des pistes les plus jouées. Et ça va prendre un certain temps à charger avec ma connexion, donc pas la peine de perdre plus de temps. J'ai testé quelques pistes, là on voit tout ce que j'ai testé, pour avoir une idée de, comment dire, selon la musique, quelle influence ça va avoir sur la piste, parce que c'est un petit peu le point de référence qu'on a avec Audio Surf, qui retranscrit généralement très bien la sensation qu'on a de la musique, en faisant une piste réaliste, convaincante, qui retranscrit assez fidèlement les différentes variations de la musique. Donc là, je commence une piste sur laquelle quelqu'un a déjà fait un score, quelqu'un d'autre que moi. Je pense que c'est une assez bonne base de référence. C'est une musique, une musique libre de droit dont je mettrai le lien. Alors, on note ici... voilà, ça c'est le problème, c'est les barrières. On a des tremplins, on a des barrières. Les tremplins nous permettent de faire des cascades qui rapportent des points, qui nous permettent de faire des meilleurs scores donc à la fin de la course. Et les barrières, bah, malheureusement, nous font perdre des points et nous font perdre de la vitesse si on se les prend. Et comme la voiture, voilà, vous voyez, a un maniement assez lourd, c'est difficile... de gérer la trajectoire à peu près bien, surtout après un saut. C'est difficile de la gérer de manière à, comment dire, à éviter les barrières à chaque coup. Là vous voyez, il y a ces petits trucs que je suis en train de récupérer qui permettent d'avoir plus souvent du boost. Il y a donc aussi des petits trucs comme vous le voyez dans l'angle à gauche, en haut à gauche, qui permettent de récupérer de l'argent. Et donc de l'argent pour acheter des nouveaux modèles de voitures. Là vous voyez, ça charge un petit peu mon boost. Et il y a aussi tout simplement des boosts qu'on peut voir par endroit sur la piste qui donnent directement le boost. Alors évidemment, là c'est une piste que j'ai parcourue deux fois, donc c'est beaucoup plus difficile. Faut bien les connaître pour faire réellement des bons temps et des bons scores. Mais ça n'empêche pas quand même de profiter pas mal de la musique, etc. Donc on constate aussi que visuellement c'est magnifique. Il y a vraiment un style un petit peu dans le genre Tron. Magnifique, avec ces espèces de construction, hein, avec des espèces de néons, d'écrans géants, etc. La piste elle-même. Et le style change en fonction du genre de musique aussi, c'est assez appréciable. On va dans la piste suivante, là je vais prendre le boost, voilà. Et le but en gros c'est d'être plus rapide que le rythme de la musique, parce que si on fait trop d'erreurs, si on pilote trop mal, on se fait dépasser par cette petite ligne que vous voyez, et au fur et à mesure on peut avoir plusieurs tempos de retard sur la musique, voire... Et des fois on va carrément être repopé sur la piste parce qu'on a trop de retard par rapport à la piste. Si vous connaissez bien Audio Surf, vous devez remarquer quelque chose, c'est que la piste a très peu de variations. On a du mal à reconnaître la musique à travers la piste. Et je dirais même... Bah ici on constate un peu, il y a une sorte de changement de rythme et on voit un looping. Mais ça ne... franchement, ça saute pas aux yeux. Et c'est ça le gros défaut par rapport à Audio Surf, c'est que autant Audio Surf retransmet très fidèlement, généralement, retransmet très fidèlement
le rythme de la musique, tout ça à travers la piste, autant ici, on a quand même du mal à trouver un lien direct entre la musique et la piste. Par contre, c'est vrai que pour le plaisir de conduire une voiture dans un style purement arcade, le jeu est excellent, visuellement, il est vraiment très bon. Au niveau des ressources, franchement, il a l'air peut-être peu exigeant pour le processeur, etc. Parce que moi, ça tourne sans aucun problème, de manière tout à fait fluide, avec Open Broadcaster Software qui tourne en fond pour enregistrer tout ça. Donc franchement, c'est quand même une excellente licence qui permet de prendre du plaisir de conduire sur ses meilleures musiques, hein, sur vos musiques favorites. Alors là, c'était noté je crois 2 ou 3 étoiles en difficulté, et effectivement ça n'a pas été très difficile, je me suis pris quelques barrières, ça n'a pas été très... comment dire, très dur, malgré tout, de faire un bon score. Donc, j'ai un petit peu la flemme de passer, mais si vous voulez vérifier, j'ai le meilleur score sur cette piste. Là, on voit, c'est 4 étoiles de difficulté, effectivement, c'est du métal symphonique. Et ça va être intéressant de constater, déjà on voit le design différent, rouge, industriel, avec des usines, carrément. Donc là, les petits machins pour charger le boost, va falloir essayer de les prendre, mais bon, faut pas non plus que ce soit au détriment de la trajectoire, parce que ici on va voir, parce que quand même avec une piste beaucoup plus punchy, ça se voit pas pour le moment, malheureusement j'ai raté le boost, mais avec une piste beaucoup plus punchy, c'est beaucoup plus dur de réussir à faire quelque chose à peu près potable. On a déjà beaucoup plus de barrières, on a des virages beaucoup plus aigus, et les barrières sont des fois placées de manière plus piégeuse. Et il faut aussi se dire, voilà, vous avez vu, le fait de toucher les murs a tendance à beaucoup déséquilibrer la voiture, et c'est délicat de la piloter, elle est un peu lourde. Ce qui fait qu'on est obligé d'y aller assez doucement, généralement, pas trop quand même, parce que si on y va trop doucement, on réussit pas à redresser assez vite la trajectoire. Bon là... forcément les tremplins qui m'éjectent dans les barrières, ça c'est pas très pratique, et là j'ai pas vu malheureusement, donc j'étais un petit peu distrait. Donc le drift qui rapporte beaucoup de points aussi, des fois on peut se dire, c'est ce que je me disais au début, mais c'est inutile de faire du drift, tu peux prendre dans mon virage sans aucun problème sans drift. Dans la réalité c'est logique, mais là dedans le drift rapporte des points et donc permet de faire un meilleur score au final. Et d'ailleurs, certaines réussites Steam dépendent du temps de drift qu'on aura réalisé. Donc c'est vraiment valable de faire du drift. Alors, voilà, le boost est chargé. On réussit à éviter les barrières. Et donc, ouais, un des problèmes de cette voiture assez lourde, c'est que... si elle touche les murs, des fois elle va être vraiment très très déséquilibrée et difficile à contrôler. Une chose à noter aussi, c'est que même quand on est en l'air, on peut contrôler un peu la trajectoire et des fois on sera éjecté un peu à l'extérieur de la piste, mais on aura le temps, lorsqu'on est en l'air, de corriger un peu la trajectoire et de revenir à peu près sur la piste, malgré que dans la réalité, voilà, vous pouvez tourner le volant autant que vous voulez dans une voiture si vous êtes en l'air, ça ne changera pas la trajectoire. Ici, vous venez de le voir à l'instant, on a pu modifier un peu la trajectoire. Donc là aussi, sinon, c'est une musique libre de droit, hein, une musique téléchargée sur Jamendo. Je vous donnerai le lien si vous voulez la télécharger également, si vous voulez l'écouter, si vous voulez soutenir l'auteur, etc. En attendant, on continue à profiter de cette magnifique piste. Ce design, un petit peu dark industriel, qui est vraiment très intelligent, c'est ce que je vous disais quand je vous disais que la voiture est lourde. J'ai essayé de corriger la trajectoire, mais ça n'a pas suffi, et c'est difficile de trouver l'équilibre entre forcer un peu sur la direction et pas déséquilibrer la voiture, ou à l'inverse, forcer très peu sur la voiture, mais ne pas corriger suffisamment la trajectoire. Là, vous voyez aussi, des fois vaut mieux partir en drift très lentement et puis insister plus au niveau du virage progressivement pour pouvoir faire durer le drift suffisamment longtemps. Là c'est pareil, j'ai pas corrigé suffisamment la trajectoire,
Donc je me retrouve en resynchronisation. Là on voit à quel point les murs peuvent déséquilibrer. Donc voilà, sinon c'est... Franchement j'aime énormément ce jeu. Évidemment pour l'immersion musicale, je trouve qu'Audio Surf pour le moment est imbattable. Mais il n'empêche que pour le plaisir de conduire, là vous voyez encore un mur qui déséquilibre. Pour le plaisir de conduire, franchement il est quand même excellent. Pour peu que vous aimiez le style arcade, le style drift, etc. C'est vraiment un très bon jeu qui en plus en ce moment, si je me trompe pas, est peut-être toujours en solde grâce au nouvel an chinois. Donc c'est l'occasion de faire une bonne affaire si vous avez envie d'acquérir ce jeu. En attendant, bah, voilà un petit jeu sympa. Alors bien entendu, hein, quand on est en drift et qu'on se prend un mur, ça annule les points. Donc des fois, il vaut mieux pas être trop gourmand et annuler le drift et pas faire une sorte de série trop longue plutôt que de perdre des points et taper le mur. Donc, sinon, que dire d'autre sur ce jeu ? Les voitures n'influencent pas du tout le gameplay, hein, franchement, à ce que j'ai remarqué. J'ai testé la voiture de base plus celle-ci. Et c'est vraiment les mêmes sensations de conduite, globalement, ça a l'air d'être exactement les mêmes performances. Voilà, ça j'ai encore une barrière de raté. Si vous voulez tester de battre mon temps, bah, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés, enfin surtout battre mon score, je veux dire. Et les voitures font juste un changement visuel. Mais c'est toujours sympa d'avoir une voiture qui correspond peut-être plus esthétiquement à ce qu'on apprécie. Et puis ça donne une raison de collectionner l'argent. Vous voyez effectivement, quand on sent que la guitare, que les riffs, tout ça sont bien insistants et tout, qu'il y a du rythme, on voit que la piste est beaucoup plus serrée, beaucoup plus dure à piloter. Donc il y a quand même une corrélation entre la musique et la piste. Mais bon, il n'empêche que c'est beaucoup moins visible dans Drive Any Track que dans Audio Surf. D'ailleurs, globalement, c'est vrai que j'ai essayé des pistes encore plus métal, enfin une autre plus exactement, vous l'avez vu dans la liste, et elle était encore plus dure, nettement plus dure. D'ailleurs, elle était notée 5 étoiles, c'est pour ça que je l'ai testée. Donc, bien entendu, hein, l'objectif dans ce jeu, si vous voulez vraiment faire des bons scores, bah, c'est de refaire encore les pistes jusqu'à les connaître par cœur, de pouvoir ne rater aucun boost et surtout vous prendre aucune barrière. Mais en attendant, voilà, de manière, en première prise en main, vous voyez, c'est plutôt simple. Là, globalement, j'ai fait à peu près le même score que la fois précédente où j'ai testé à piste. Et donc c'est un jeu à peu près simple à prendre en main au premier abord, bien entendu. C'est un petit peu comme aussi... comment ça s'appelle ce jeu? Oh, je me rappelle plus, je mettrai dans le descriptif. Mais vous avez un petit peu le même principe que ce jeu-là... Enfin bref, on va se dire au revoir sur le garage. Vous pouvez avoir un petit aperçu des voitures. Puis en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Ah, ça y est, je me souviens du nom du jeu, c'est Trackmania.